J'ai lancé une pétition sur change.org sur les déserts médicaux et numériques, dit la double fracture, parce que les sujets des déserts médicaux ont été à l'honneur dans la campagne présidentielle. Ça fait déjà longtemps qu'on en parle. Je les vis au quotidien en tant que patient agriculteur, même si j'ai mis mon costume pour venir être auditionné aujourd'hui. En revanche, ce que je voulais faire, c'était effectivement donner un retentissement par change.org, qui est une plateforme qui permet de faire passer un certain nombre de messages. J'ai d'autres outils qui sont Twitter et autres, mais c'était une pétition qui devait être faite. Elle n'a pas réuni encore beaucoup de signatures, parce que les gens n'ont pas toujours compris encore qu'il y avait un lien entre désert médical et fracture numérique. Je suis patient, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas vocation à résoudre le problème des déserts médicaux. En revanche, ce que je peux apporter, c'est mon expertise dans la e-santé, dans le développement de la télémédecine, dans le développement des objets connectés. Et donc, c'est toute une promesse qu'on a depuis 5 ou 6 ans. On voit développer des appareils qui ont commencé par les balances connectées, les montres connectées. Mais maintenant, on a des choses qui permettent de surveiller l'apnée du sommeil, de permettre aux gens de retourner chez eux. Ça coûte moins cher à la collectivité. Et en fait, tout ça, ça ne fonctionne que s'il y a du réseau. Et on avait juste oublié de superposer des cartes, ou des cartes où il y a des déserts médicaux sont aussi des cartes où il y a des déserts numériques. Donc en fait, toutes ces solutions ne permettent de tenir que dans les grandes mégapoles, Paris, Bordeaux, Toulouse et autres. Donc il y a toute une partie de la population, dans les territoires ruraux notamment, mais pas seulement, qui se trouve un peu coupée de ces nouvelles technologies. Déserts médicaux, je ne suis pas médecin, ça reviendra au ministère de la Santé, aux ordres, aux syndicats de médecins de négocier et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Tout ce que j'ai vu des débats que j'ai engagés, c'est qu'effectivement, il faut que les médecins se déplacent un peu plus sur place, s'aperçoivent que finalement, être spécialiste, c'est bien, mais être généraliste, c'est super intéressant. Et qu'en fait, il faut de plus en plus que peut-être la conférence du doyen d'université travaille à ce qu'il y ait de plus en plus de mise en situation dans des endroits où on s'aperçoit qu'être médecin généraliste dans une commune, bourgade, c'est quand même très enrichissant et très bien. Ça, c'est la partie désert médical. La partie désert numérique qui permet d'aider les médecins, c'est les communautés de médecins en ligne, c'est pouvoir avoir accès à un spécialiste directement par une plateforme, c'est pouvoir surveiller ses patients, c'est avoir une nomenclature adaptée, parce qu'aujourd'hui, vous envoyez un mail avec vos analyses médicales, il n'est pas sûr que le médecin les lise et vous rappelle derrière en disant il y a un truc qui ne va pas, il n'est pas payé pour ça, il n'y a pas de responsabilité. Les solutions, c'est donner une nomenclature, c'est un langage un peu technique, mais nomenclature pour les actes de télémédecine ou de télé-expertise, faire venir des médecins par la séduction et non pas par la coercition. La coercition, ça ne marche pas en France, on ne va pas obliger des gens à venir travailler. Il faut qu'ils soient séduits, et s'ils sont séduits, ils travailleront encore mieux. En audition, tout à l'heure, ce qui était extrêmement intéressant, c'est vrai qu'on a peu abordé le problème des patients. Et qu'en fait, si je fais ça, cette pétition, et c'est aussi en termes de patient, parce que je suis patient, et parce que je travaille beaucoup avec des associations de patients. Et que l'on oublie qu'en fait, autrefois on était abonné à des revues en tant que patient ou des associations de patients. Aujourd'hui, c'est de l'emailing. Si vous n'avez pas de réseau, si vous avez un petit débit chez vous d'ADSL, vous ne pouvez pas télécharger des images, vous ne pouvez pas télécharger un contenu avec des petites vidéos sur YouTube qui vous sensibilisent à telle ou telle maladie. Donc en fait, la première chose que vous avez, c'est Dr Google. Alors Google, c'est un très beau moteur de recherche pour plein de choses, mais pour la médecine, il y a des sites qui sont spécialisés, avec des contenus qui sont vérifiés, et je ne voudrais pas qu'on puisse comme ça entendre tout et n'importe quoi, comme on peut le faire sur Internet, sur certains forums. Et donc les patients ne doivent pas être coupés, il faudrait qu'il y ait une égalité aux soins en France pour tous les patients, et une égalité à l'information sur la santé.